Jusqu'au 10 janvier 2021, le public peut découvrir au MUDAM l'œuvre de Charlotte Posonenske, une œuvre pionnière et radicale de cette artiste allemande qui est née en 1930 et qui est décédée en 1985. C'est une œuvre donc qui va se développer sur une courte carrière, parce que si Charlotte Posonenske décède en 1985, elle va arrêter sa carrière en 1968. C'est une œuvre qui est pionnière parce que les choix de l'artiste vont être assez radicaux en ce qui concerne son développement. C'est-à-dire que ce que vous avez derrière, vous voyez, ce sont des sculptures modulaires, les séries D et des W, qui sont les séries les plus représentatif de son œuvre, et ce sont des œuvres qui sont basées sur un principe collaboratif, participatif. C'est une artiste qui va décider de demander la participation active du public, un public qu'elle va d'ailleurs nommer consommateur, pour réaliser ses sculptures, puisqu'elles sont modulables, et donc elle laisse libre cours à l'interprétation donc des personnes pour composer ses sculptures à l'aide de ses modules, de la façon la meilleure qu'il leur semble, en fait. C'est-à-dire que c'est la possibilité de la variation, de la diversité, de faire la même chose différemment, qui va commencer à intéresser l'artiste. Quelque chose de très important dans son œuvre, c'est l'usage de matériaux industriels et de faire des œuvres dont les caractéristiques vont être proches même d'objets industriels. On va voir que la gamme chromatique se rapproche de couleurs qu'on peut retrouver dans l'environnement urbain, par exemple, c'est-à-dire tous les panneaux de signalisation. Donc on voit que c'est une artiste qui a été très inspirée par le visuel de son époque, les formes de la modernité, la connectivité d'une époque, à son maillage, sa mise en réseau par justement les aéroports, les carrefours routiers, où elle a d'ailleurs installé des sculptures pour bien montrer cette relation qu'elle entretenait, non seulement avec le visuel de la modernité, mais aussi avec ce qu'était la définition même de cette modernité, c'est-à-dire une sorte de mise en réseau. Par rapport au marché de l'art également, la position de Charlotte Posonenske a été aussi radicale, puisqu'elle a décidé, avec ses sculptures, de les produire de façon illimitée et de les vendre au prix de production. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental dans son œuvre. Ça signifiait que, quelque part, elle contournait un petit peu les règles du marché de l'art, qui est basé sur la rareté, sur finalement quelque chose, même quand il n'est pas unique, qui est limité, pour, au bout du compte, faire en sorte qu'il y ait une forme de démocratisation, d'accessibilité de son œuvre. Alors c'est à la fois une œuvre qui est avant-gardiste, autant dans ses propos que dans sa forme, et qui se veut très démocratique sur le fond. C'est l'idée de l'accessibilité qui domine son œuvre, accessibilité d'un point de vue économique, puisque quelque part les œuvres DW coûtaient très très peu cher, vu que c'est simplement du carton ondulé à produire. Et donc voilà, cette œuvre est faite pour être profondément accessible.